Donc on habite tous la même ville. Et dans cette même ville, on a la possibilité de faire des activités et de faire des activités tous ensemble pour apprendre à bien grandir. Et c'est ce que vous venez de faire toute cette semaine. Je pense que vous venez de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas du tout. Vous ne connaissiez pas du tout tout ce que vous avez appris ? Non. Vous n'avez rien appris ? Si ! Plein de belles choses. Plein de belles choses pour notre planète, pour votre avenir, pour savoir faire fonctionner votre quotidien. Vous avez appris plein de choses. Cette opération qui se termine aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de AnimProx, les animations de proximité qui ont lieu tous les ans au pied des immeubles dans les quartiers de Saint-Dié pour permettre aux jeunes qui n'étaient pas partis en vacances ou qui ne sont pas partis en vacances à ce moment-là de profiter d'un encadrement de qualité, d'activités aujourd'hui scientifiques, puisque ça se termine par une semaine d'activités scientifiques avec l'association des Petits Débrouillards. Donc toute la semaine, on est resté sous la halle à Kellermann. Malheureusement, aujourd'hui, le temps ne nous a pas permis d'y rester. On s'est replié à café et on a fait des activités scientifiques basées sur les énergies, le vent, le soleil, etc. Et donc les jeunes aujourd'hui sont venus présenter ce qu'ils ont réalisé tout au long de la semaine, donc une maquette et des réalisations pratiques. Morgane, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants ? Donc avec les enfants, on a travaillé pendant un mois. Donc on était sur les quartiers de Foucharu et Kellermann. Pendant 3 semaines, on a fait des jeux, du sport, des activités. Il y a des intervenants qui sont venus, comme les Nez Rouges, aussi pour leur faire faire du sport, du basket, même de l'escalade. Ensuite, cette dernière semaine, on était en association avec les Petits Débrouillards qui nous ont permis de faire différentes activités, des fabrications en rapport en fait avec les énergies renouvelables. Donc ils ont appris le fonctionnement de ces énergies et aujourd'hui, on a donc réalisé des maquettes et on vous présente tout ce qu'ils ont fait pendant la semaine. Prochain rendez-vous avec AnimProx, c'est quand ? L'année prochaine, dans un an, voilà. C'est en août, pareil. C'est le moment où il y a le moins d'activités proposées par les centres sociaux, les associations. Donc on sait que c'est le moment de creux. Donc c'est à ce moment-là qu'on propose des activités tous les soirs aux jeunes dans les quartiers.